Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 77 ou 77 dans la langue de Katox. Bonsoir les gars, prêt à tabasser du métal. Salut, ah là, vraiment là, c'est la première fois qu'on est là, c'est fort. C'est métal. Métal. Heavy métal. Je l'attendais. Heavy métal. Heavy métal. Attends, parce que là, il n'y a pas écrit concentration, on est d'accord que enlarge. Si il cherche pas, hâte c'est concentration. Mais oui, mais hâte c'est concentration. Il y a écrit condition. Putain, est-ce que si je passe en forme géante. Au beau milieu de la nuit. On va pas plus juste lancer hâte à la fin. Et que je vais boire. Mais je sais pas, putain, si je peux. Dans des espoirs. Je sais pas si je peux stack en fait la forme de géant de mon épée avec. Quand t'es de bruit dans la nuit. Eh, vieille métal. Heavy metal. Est-ce que vous voulez que je le tente et que je refaille potentiellement? Heavy metal. Non, déconne. Pour la petite anecdote, j'avais croisé le chanteur du groupe dans un bar à Nantes il y a quelques années. T'as croisé Fétus? T'es allé à Nantes? Oui, j'ai plein d'amis à Nantes. T'es sorti de Paris? Oui, bien sûr, je fais ça très souvent. T'as une vie sociale? Eh les mecs, vous voulez rigoler? Non. Tu connais des gens en dehors de nous, Arda? Ouais. J'avais pas changé mon amulette. Tu veux dire mais des putain, gens putain, mais va bien te la foutre. Attends, ça marche. On a rien vu. Tout va bien. Hein. Tu te démerdes. Tout va bien. Mon amulette est bien. Tout va bien, y'a. Bon, quand vous êtes prêts, j'enlève le tour par tour. Hein. Ah bah, je suis prêt, c'est bon. C'est bon? Y'a plus de tour par tour, let's go! Let's go, la bagarre! Évidemment. Ah, en plus. Oh, je suis au début du Turn Order. Ah non, what? Contre, ils sont vachement emmerdés à le bien le décorer, quoi. Il est beau, hein. Parce que le truc, il est trop plié comme patte. Putain, je l'ai pas stun, je suis bien déçu. Il est trop beau, le Steam Watch. Ah, mais il a une résistance à la mise en abîme, là. Putain, je chier. Heavy Metal. Bon, début. Pourquoi j'ai mon arc à la main, mais... Avec ton arc à la main, t'as peur de rien. Ça. Et si vous avez la ref? Tant que c'est mon arc et que c'est pas autre chose. Il est trop beau, hein, franchement. Steve Watcher Titan, j'aurais trop aimé qu'on en affronte plus. J'espère qu'on va voir toutes ses phases parce qu'il est vraiment scié. Ouais, miaou. C'était trop chou. Deux. On l'a entendu? Ah ouais, vous l'avez entendu? Putain, pour toi, il est pas à côté. Le minou? Non, t'as entendu un miaou. Miaou. Ouais, il est très vocal. Non, bah là, il a bouffé. C'est juste, il veut que je lui fasse des papouilles. Give me food. Non, ça va, bouffe, eau, litière. Il a tout ce qu'il faut. Jusque là, il estime que ça fait trop longtemps que je me suis pas occupé de lui, donc il vient quémander. J'en ai raté deux. C'est quoi trident explosif? Je balance trois tridents, ça fait de la glace. Et ça explose. Je suis très content qu'il me tire pas dessus. Oh oui, paquez-vous les machines. Voilà, on peut pas aller plus les paquer là. C'est à moi de jouer. Alors. C'est du slashing. Putain, par pitié, dis-moi que t'es vulnérable, mec. Attends. Est-ce que... Il est stun, une merde. Alors normalement, je peux faire un gros truc. Bah c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si je te le stun, normalement ça devrait bien se passer, quoi. Putain, je lui ai fait que 84. Wow, pas mal. Ah non, 84 plus 14. Ah, franchement, je pouvais faire 10 à 80 de dégâts, et j'ai fait 20 et 38. Je suis tellement déçu. Putain, j'ai fait 80... Non, j'ai fait 100 points de dégâts tout pile avec les deux dégâts d'acide. Ah, il est content. Moi, je me casse. Qu'est-ce que je peux lui mettre dans la gueule en plus, là? Oh, attends. Je peux pas lui faire drop son arme? Non, ça serait terrible. On teste un truc. Pour la ramasser vite. Bah attends, je vais déjà lui taper la mouille là. Qu'est-ce que je peux lui faire?
Bah, du coup, tu viens déjà de le foot midlife, je sais pas si on va avoir toutes ces phases, hein. Ouais. 75% des PV, on a. Mais c'est honteux! C'est allez, on est au niveau de difficulté, c'est ça? Ouais. Encore? Encore? Bah, non, bah, non, je vais garder l'action, Serge. Allez. Si on y a des ghouls, il va se faire tuer par des ghouls, quoi. Ah, mais les ghouls, elles vont se faire plaisir, putain, tuer par des ghouls, quoi, j'en peux plus. Ah, David va passer son tour. Ah, allez, les ghouls! Ah, oh non, elles ont foncé! Tout. Oh là, elles sont bien paquées là. Tu penses qu'il ramasse son arme? Bah, je pense qu'il va pas avoir le temps. Hein. Bah, non, mais personne le tape là, elles ont dash. Ah, mais il est stun! Je l'ai pas vu, comment on te l'a violé, le pauvre gars? Nous sommes l'avenir, rien n'arrêtera la garde d'acier. Ouais, bon, bah là, la garde d'acier. Oh, j'avais pas vu, il a des petits corbeaux, des petits corbacs sur le dos. Quoi, je le termine ou je le termine pas? Termine. Oh. Il a 14 PV, vas-y. Time to shine, comme son armure. Let's go. Il a même pas explosé, quoi. Ah, c'est vrai que c'est très décevant. Il a pas explosé, Critique 3. C'est déjà ça. Wow. On va faire des gars, il t'a mis tellement cher. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. Bah, on vient de tuer ton patron, mec. Ah. Le mirbidon. Putain, te rater encore une fois. Après, ils ont une AC qui est pas dégueu. Hein. Bien fait. Bon, Jackie la frite là-haut là. Ah, j'étais en train de calculer, je lui ai fait 336 points de dégâts en tout. Si peu. Mais c'est supposé être un boss, hein. C'est-à-dire que au rythme où on va, le boss de fin, on l'empale sur une pâquerette. Hein. Hey, allez, je pense. Bon, allez, on recommence, allez, on est reparti pour un tour. Paf. Oh merde. J'ai dit paf. Hey. Lâcher son arme. T'as ramassé son épée à l'autre? Non, elle est toujours par terre, je crois. Allez. Non, il est plus par terre. Allez. Il est où le... Attends, il suffit. Le troisième, il est un peu plus haut. Ah, oh, en plus, je peux sortir de la zone. Bon, hop là. J'avais passé mon tour, mais bon, du coup... Bon, par contre, les ghouls, je crois que ça va être so long, hein. Ouais. Bah, c'est bon, si elles ont un fait d'aller faire autre chose. Oui, bon, elles font jouer. Ah ouais, peut-être qu'elles vont s'échapper. Arda, j'ai l'impression que t'as des misères avec tes sœurs, là. Ouais. Non. Ah bah manifestement non. Rip les ghouls. Pas grave, les ghouls c'est pas très intelligent. Hein. Ah bah là c'est... Techniquement je les avais invoqués juste au cas où pour diviser un peu le feu ennemi. Ça a marché. Rip les ghouls. Et paf! Le mirmidon, il a bidon. Prends. Incroyable. Enfin, c'est quand même une forme de gore punk qui est assez. Gore punk, ça existe? Tout existe, mais oui. Bah, attends, t'as l'espèce de truc.
une machine. Tarin, t'es arrivé. Et dis-toi qu'il me reste encore la moitié de mon mouvement. Hein. Ouais. Mais je fais pas de dommages, moi. Je suis une vraie sombre merde là. Tu as sapé? Mais j'ai fini déjà. J'ai tapé deux fois, j'ai jump, j'ai fini. Tu peux t'échapper, je pense que je peux le. Ah merde! Oh non! Voilà! Bon, je vais plus jouer avec la hâte. Je vais plus jouer avec la hâte, je vais te filer mon pare-chaud parce que c'est. C'est un peu abusé. Je peux pas la ramasser, elle est trop lourde. Arc légendaire. Atémia, je t'envoie le pare-chaud de hâte. Hein. D'accord. Oh, il est joli. Qu'est-ce qui est joli? Ben l'arc. Ce qui est bien, c'est que l'arc ou la masse, je fais de la lumière. Regarde. C'est quoi l'arc? Ah, moi je veux bien, hein. Ah, je peux pas le mettre. Prends-le parce que moi, de toute façon. Non, mais je peux pas le mettre, cherche pas. C'est quoi que t'as récupéré? Goopermile. Tente de le filer, voir si je peux quand même l'équiper. Je crois que tu peux l'équiper même si t'as pas le profil Shenti. Ah oui, tu pourras toujours utiliser la. Ah, peut-être pas. Là, c'est pour ça que je voudrais voir si je peux le mettre ou pas. Enfin, Merci. Oh, je peux! Incroyable! Et ça fait quand même plus mal que le mien. C'est incroyable. Par contre, je crois que la hâte. La Katox? Je crois que la hâte, ouais, elle dure 5 tours hein, par contre, la hâte de cet arc là. Donc garde l'autre aussi. Il y a un aussi. Truc intelligence sur le. Le ah mais non mais je l'ai la maîtrise du truc en fait. Alors intelligence sur le panneau, c'est à dire qu'il faut que j'y aille, c'est ça? Ouais ça. Mais je suis en train de taper les cerveaux qui sont dans les bocaux là. Ah mais par contre ouais. Atémia, garde l'autre arc aussi hein, parce que les deux ils te filent hâte mais... Ouais je comptais pas le vent. Je sais pas. En plus il me file très de lumière céleste, je sais pas ce que c'est. Bon, on a fini tous les cerveaux. Ouais. Alors, tableau de communication neuronale. Ah, ça me rappelle un Nautiloïde, ça. Le bouclier bouclé. Ah, c'est pas la machine de Turing. Oh, il y a un truc situationnel. Tu peux faire un guidance? Ah, si, attends. J'arrive. Ah, je peux pas quitter. Bah, attends, t'as avantage et t'as plus 5 en intel. Ça devrait aller pour 15. Que 15 après, hein, ça devrait être fort. Hein. Ah bah voilà. Tu vois, c'est la fin. Bon, voilà. The Neurocitor is the epicenter of the Steel Watch. Ça, on sait. And connecting every single watcher in the city. This technology is far beyond anything you have ever seen. You need more than magic or steel to destroy. Mais on a une bombe. Will destroy the foundry, wiping it from the face of the forgotten realms. Maintenant, il va falloir courir. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il les sort de sa poche comme si c'était genre juste un petit objet, alors que quand tu la poses par terre, le machin, ça fait la taille d'un. Cours. Et boum. Chiki boum kaboum. Doobie doobie doo. That was a hell of a show, my friend. Ah, je peux pas accéder au dialogue. Pas non plus. Moi, il y a des. Oula, il y a des typos là. Je vois les gardes en typos. The scent of room powder drifts through the city like a warm embrace. I see my bomb did the trick, but it's not. Votre jeu il a freeze complètement ou? Ah ouais. Après moi je vois Katox en dialogue. Bah oui je le vois en dialogue mais je peux pas le rejoindre. Je vois les trucs d'inspiration qui pop mais genre. Ouais mon jeu a freeze. Hein. Y a plus rien qui marche.
Take the city. Let the Iron Hands. Ah si, j'ai pu sortir ma torche. Ça a marché, ça. Ah oui, je pense qu'on a, comme on n'a pas désactivé les machins, tout le monde est mort. Bon bah, on regardera ton. Ah bah, je peux même pas. Ouais, le bon jeu a crash. Je kill le process. Ah, j'ai pas eu la voix. J'en ai marre de la maladie. Ah, c'est ça ton histoire de tout à l'heure. Ouais, bizarre. Cette histoire. T'as pu accéder au dialogue, Atemir? J'ai quitté le jeu. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est ouais. Pareil, moi j'ai quitté le jeu, mais il a pris 3 plombes à se relancer. J'ai le mal de crâne qui revient là. Il arrive comme ça avec ses valises là. Et il est en mode, allez les gars, je reste là la semaine. Je m'installe, le reste. Oh, ça passe. Allez, c'est bon. Et tout le monde ou... En attendant que l'autre accepte votre demande. Ah putain, c'est le jeu, il veut pas, il veut pas se lancer le jeu, chier. Il est vraiment pas bien ce mec. Non, il a un problème. C'est qui ce type? Pourquoi il nous fait des bisous là? Je vois un Atemir en dialogue. J'ai essayé de voler quelque chose, mais manifestement ça l'a pas plu au type à côté de moi. Je vois un Katox en dialogue. Braved goblins, shades, and evil I can hardly describe. Still, I just can't save Wulbrin. He won't rest until the Gondians are dead. Je vois tout le monde en dialogue. I know. And one of you will die. Wulbrin, I'd wager. Which is why I'm going after him. Someone has to stop him from ending his life in a blaze of foolishness. I'd tell you to write, but I never checked the post. Farewell, my friend. And good luck. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On s'est mis du côté des Gondiens, c'est ça? Bah, on a juste dit aux mains de fer de se barrer, on les a pas tués. Tu sens la déception dans la voix de Katox, on a pas tué des gens. Non pas. Et il y a Wulbrin après qui a dit, ah faut que j'empêche l'autre de faire le con là. Faut que j'empêche Wulbrin de faire l'imbécile. Parce que sinon l'un de vous deux va mourir et probablement lui. C'est vrai. Ah. Est-ce que j'avais... Ouais. Ouais, j'essaierai dans ma partie. Il semblerait qu'il y ait une possibilité que les deux clans acceptent de cohabiter. Et j'ai pas eu l'occasion de le voir dans ma partie. Alors maintenant, on se rend où? Bah, il en reste pas grand chose à faire, hein. On va pas se mentir. Bah, si tu regardes dans les quêtes, il y a Baveur le Clown, récupérer la pierre de Gortash. Ah, mais Baveur le Clown, on a quoi? On a le pied, le bras, la tête. La hanche, la main, le torse. Donc on allait voir Ulma, mais je sais pas où elle est. Ah, ils te disent, toi, la quête, qu'on a toutes les pièces? Non, non.
bras, tête. Il manque d'autres pièces du clown normalement. Oh, bah, lesquelles? Là. Bah, on a le torse, la tête, le. En gros, quand on a trouvé la main, enfin, la main, le pelvis et la tête, après, on a eu une notif disant qu'on a eu la moitié. Depuis, on a trouvé un bras et un pied, donc il doit manquer. Non, on a le torse aussi. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. On a 6 pièces du corps là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a les 6 pièces. Là, faut. Il y en a qui? Bah. Faut faire un cirque. Je vais essayer de récupérer les morceaux de. Je récupère les morceaux, on va voir si ça marche. Open. Oui! On a toutes les pièces du clown normalement. Hop là. Du coup, faut aller à quel endroit? Faut retourner au cirque, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas eu la notif qui a pop, donc je crois qu'il faut qu'on retourne à Rivington. À quoi? À la ville. Ah. Ouais, merde, Rivington, je sais plus Est-ce comment c'est en qu'avant français. qu'on y aille, on finirait pas juste d'explorer la map? Bah, si tu veux, oui, il nous reste. Non, non, il reste un petit peu de trucs. Il nous reste les quais en face. Bah, on a ça et après on a là. On a là. Comment tu pinges sur la. Contrôle, non, Alt, clic droit. Ah oui, on n'est pas allé au nord, on n'est pas allé là. On n'est pas allé au nord là, il y a tout un truc où on n'est pas allé par là. Ah oui, c'est vrai. Par là, là. On va par effectivement. Alors je vais pas vous mentir que moi durant le combat j'ai claqué tout ce que j'avais, j'ai plus de dés de supériorité et tout. Bah du coup en finale j'ai pas claqué un seul spell moi durant la bataille. Ouais j'ai mais... J'ai claqué 5 points de ki. Ah moi j'ai tout envoyé. On peut faire un long repos si vous souhaitez. Ah mais c'est fermé. Bah on a un short rest normalement. Ah non on a plus de short rest. Après je sais pas au niveau élixir il en est où Atémir. J'en ai un d'avance en fait. Ouais et toi Arda t'en as un aussi? Je sais pas, faut que je check. Bah attends je vais aller voir la petite naine savoir si à tout hasard elle n'aurait pas à vendre des élixirs. Élixir de puissance de mage de combat, j'en ai 6. Bon toi t'es bon, et c'est les trucs de rage rage de la bagarre là qui. J'ai trouvé un coffre. Pourquoi il y a marqué il y a une entrée, il y a marqué défense d'entrée. Je sais pas, mais c'est parce que t'es pas autorisé à y aller. Là en bas, il y a marqué sur la map défense d'entrée. Alors. J'ai très envie d'y aller. Vous connaissez. Pourquoi tu tires sur des coffres de voyage? Ah bah tiens, j'ai trouvé un croc de worg, hop là. Ouais, j'ai trouvé une manière de rentrer en tout cas. Oh, et une oreille de hyène pour faire des potions de vitesse. Il est ça. Bon. Oh, je trouve un coffre. Dans le mur, à crocheter. Wow, ferme cette porte. Oups. Ça fait des bêtises. Non, j'ai dit que c'était les latrines et. Ah! Oh, vas-y, ça se saoule. Ne vous en faites pas! Je n'étais pas là! Bon, donc ce coffre, il y avait quoi dedans? Ouah! Incroyable! Et ça, c'est un truc pour Katox. Hop! Et ça, c'est un truc pour Arda. Hop! Je t'ai envoyé un papier à lire. Ah, Katox, je t'ai envoyé une autre arbalète. Oh cool. Oui, un truc à lire. Bon, je crois, ouais. Pour l'œil avisé d'Oscar Fervas unique. Il y a un tableau dans le grenier à pas oublier. Pas
celui-là de tableau. Ok. On a perdu le nain, il est passé où? Non, j'arrive, je suis en train d'acheter des... J'essaie de trouver des compos pour faire des popos. Bon, si je peux éviter de ruiner les combats à chaque fois, bon. Faudra qu'on discute, Arda. Vous êtes où là? Vous êtes là, ouais, d'accord. Bah ouais, tu t'as dit que tu me filais une liste et tu me l'as jamais donnée. Ok. Moi je veux savoir ce qu'il faut que je regarde. Ah, attendez, il y a une... Manifestement, il y a un KGB dans lequel il y a une porte cachée. T'es toujours tout en haut dans le grenier? Je suis pas du tout tout en haut, mais je suis dans la maison. Moi, je suis rentré dans la maison. C'est un sacré labyrinthe, cette maison. Et dans le grenier, il y a des trucs, je crois. Il y a un KGB quelque part dans lequel il y a une porte secrète aussi. Et il y a besoin d'une expression pour arriver jusque là où t'es ou... Non. Bon, là, déjà, ici, il y a plein de coffres. C'est bien parce que je m'estime quand même à chaque fois. Hein. À lire. À... Oups. Statitude moins 5 avec Zulrea. T'es fait voir. Tout va bien. Bah, je sais pas trop comment elle m'a vu parce que j'étais dans une pièce et c'était fermé, mais. Je t'ai acheté des parchoirs. C'est gentil ça. Je te les ai mis dans ton sac, je te laisserai t'en organiser. Bah écoute, oui. Il y avait des trucs à faire du coup dans ce quartier là ou. Bah dans la maison. Coffres, Dans la maison, vous avez une quête à faire normalement. Ah ouais? Ouais. Bah je crois, ouais. Est-ce qu'il faut tuer tout le monde? La solution, on tue tout le monde. Pas dans le loot. Ouais, j'arrive, je vide toutes les merdes que vous m'aviez filées, là je les vends et je vous rejoins. Ah, tu veux des trucs à... Ok, je t'envoie encore plus de merde à vendre. Il va transférer tous les marchands du jeu. En fait, je suis toujours pas monté à l'étage, je sais pas où vous êtes, mais... Je suis ressorti dehors. Ah. Oh! Ah bah voilà! Attends, t'es en train de vendre là? Ouais, allez-y, faites-vous plaisir. Attends, j'ai trouvé une armurerie. Donne-moi 2 secondes. Laisse-moi tout ramasser, je t'envoie tout. J'ai trouvé un truc qui s'appelle la maison. C'est que là, à ce niveau-là de la partie, on n'a plus besoin d'or, mais on continue quand même. Hein. Ah oui, mais moi, c'est mon gameplay, hein, et je peux pas l'abandonner comme ça. C'est RP. Bah voilà, c'est ça, c'est carrément RP. C'est criminel de pas le. Minel!
Ah, c'est surtout que vraiment vous verriez la gueule des mes coffres. Si je vends pas régulièrement, ça se remplit rapidement cette ce truc. Oh, décomposant, j'avais pas vu. Bah, je sais pas si t'as suffisamment pour faire un élixir de soif de sang pour. I think you desperately need our help. Bon, attends, j'ai des coffres à construire. Oh ouais, t'inquiète, hein, je suis toujours devant le marchand, donc. Ah, une épée. Ah bah vas-y, vends, t'es trop lourd là. Ouais, c'est en cours. Atémir. Comment? Regarde ton inventaire. Yeah. Attends. Je viens de faire un échec critique sur un jet de crochetage. Mais pourquoi tu m'as envoyé la bouffe que je t'avais envoyée alors que c'est toi le responsable de la nourriture du camp? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde mon inventaire? Y'a rien dedans. Ah si. Oh, deuxième élixir. J'en ai perdu ma voix. Oh. Oh bah ouais, carrément à ce point là. Non non mes gars, je suis au bout de ma life. You're dead. J'en suis même pas à me dire, tu vois, j'en joue pour essayer de pas bosser, tu vois, genre vraiment juste, je suis en PLS, quoi. Honnêtement, avant qu'on se mette à enregistrer, j'étais sous ma couette, en mode la full flemme. Je vais mourir. En mode au secours. Et j'étais en mode merde, il est 35, on avait dit 30, bon, allez, faut se relever. Do it. Greetings once again. Bon, le casque du style Watcher, je vais le vendre. Hein. Ça aussi. Il est toujours près d'un vendeur, hein. Ouais, t'inquiète. Non, parce que bon. Je fais les allers-retours avec le camp là pour vider désespérément mon coffre. Parce que je. J'ai trop de merde. Ah, merde, elle a plus d'argent. C'est pas grave, là-bas. Vous êtes rentré dans la maison là ou pas? Ouais, ouais, moi je suis tout en haut là. Ah, j'ai trouvé. Et vous êtes en train de résoudre le mystère. Personnellement, je pille tout. Hein. Moi je fais une loupe dans un dialogue qui me permet de relancer les dés d'un test que je rate à chaque fois, mais sans jet point de. Mais non. Ah, quand tu vas arriver au. Comment dire? À l'étage, faudra que tu me dises parce qu'il va y avoir plein de trucs à piller donc peut-être que je. À un près. Ah là, je suis allez. À l'étage de la maison, là, je viens de piller leur armurerie, là. Normalement, là, il n'y a que des trucs vides maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un étage plus haut? Putain, il y a encore une porte. Allez! Ah, mais là, ça me fait arriver sur le balcon, là. Je dois faire un site critique. Il y a encore un truc au-dessus? Ah mais c'est pas fini. Incroyable. Ah, elle est grande à la maison, elle est vraiment grande. Oh, là, y a un bouquin. Non. Il sait qu'a fait un jeu. Oui. Hein. Mais moi, j'arrête pas d'essayer. Il y a un dialogue où je dois faire 20, mais je viens de trouver un mur suspect. J'ai très envie de le taper. Zéro solidité moyenne. Bon, bon, bah je vais projeter, j'ai compris. Mais j'avais déjà une pelle. Alors. Manifestement, il y avait une histoire avec le tableau. Je ne vais pas lâcher le morceau, je veux avoir. Faudrait que je calcule les. Arda, si je te file ça. Est-ce que t'as un jet de perception là? Enfin! Je l'ai eu! Succès critique! Ouais, là, tu viens pas de faire un jet de perception là? C'est bon, y'a plus rien à vendre là, je vous rejoins. Attends! Je reste là-bas ou... Ouais. Ok. C'est tout! C'est bon. Tu as envoyé une petite plume. Tu vois, je viens de voir ça. Moi, je m'attendais à ce que tu me remplisses mon sac et là, je vois une plume. T'as pas eu un jet de perception là quand je t'ai envoyé un truc, Arda?
Let the healing begin. Attends. First comes the mapping of the heart. Je le reprends. You will be asked questions. It is important that you answer as truthfully là. As possible. Il est où? So that we may know precisely what burdens you the most. The mapping will take place in the next. Prends le souper des émissaires là, essaie de le rappeler. Ah, mais elle est devant la maison là, madame. Non, il s'est rien passé? Non. Non. Putain, mais j'ai un jet de perception, moi. Now what the fuck? Pourquoi il y a tout le monde dans la maison là? Tout le monde? Bah, je sais pas, moi, il y avait déjà autant de gens. Hein. Ouais, c'est juste qu'ils sont en train de parler d'art et qu'il y a une mécène et qu'il y a une collection. Ah, mais oui! Oh putain! D'accord, non, je. Je suis en train de me faire déchagriner la tronche. De quelle façon? Je sais pas. Ah, mais il était là le jet de perception. Attendez, vous êtes où là? Vous êtes tout en haut? Oui, ouais. J'arrive. Oh! Ah non, c'est nul. Cet ascenseur émotionnel. Ah, j'ai cru que c'était une potion de speed, c'était une potion de vol, quelle tristesse. Tiens, pour la peine, c'est pour toi, Ben Bien. Voilà. Ah bah super. Youpi. Oh! Ouais, trop bien. Ah, la potion de Faitherfall, ça peut être cool ça, comme ça, si jamais un jour je suis trop loin. Il y avait un crocus autonal et il l'a pas ramassé, le magot là. C'est un rien, vraiment. J'ai pas ton mode. Mais moi non plus, je viens d'appuyer sur Alt. Ah oui, mais moi ça je fais pas, vu qu'il y a des gens comme toi pour le faire à ma place. Tout va bien. Bon. Quelle est la dernière chose qui vous a fait pleurer? Un oignon. J'ai très envie de sauter dans la rue là. Mon perso va dire une blessure étant donné qu'il a failli mourir trois fois. Ça. Quel est votre désir secret? Celui que n'avez jamais osé formuler à voix haute. Mais t'es chez où là? J'en voudrais un énorme bébé. What is your unspoken t'es con. Un énorme. Imposer ma domination. Mais non, mais t'es où là? Dans la maison du chagrin. Ah, mais oh putain, t'es là-bas! Ah oui, d'accord! Crouler sous le pouvoir et la fortune. Et du coup, je sais pas où elle est ta quête, hein, mais. Bah okay. Oui, mais en fait, je suis en train de me rappeler que c'est vrai qu'on avait envoyé en orbite le mec de la quête, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de quête dans la maison. Tout quitter, partir sans ne retourner. Partir. Oui, oui. Dans l'acte 1, on a bousillé un artiste dans le repère des Entarim. Ah oui, lui, effectivement, il est mort. Eh bah ouais, s'il avait été vivant, et bah il se serait marié avec Lady Janat, et il y aurait eu une quête dans cette maison. Bah il est mort. Ouais, voilà, bah ouais, c'est pour ça réduit le champ des possibles de la quête, quoi, c'est... Votre plus grande peur, les ténèbres, ne plus avoir de pouvoir, la trahison, la maladie, me transformer en flage et leur mental, les araignées. Alors, c'est vrai que je suis curieux là, de savoir comment ça se passait ici, sachant qu'on n'avait pas avec Charles Hort. The heart form grows clearer again. Such a... Parce que normalement ici c'est la quête de Shadowheart. But we can help. The fourth question. How would you spite one? Comment puniriez-vous quelqu'un qui nous a fait du tort? Je pardonnerai l'offense, mais je l'empoisonnerai à petit feu. Je les pardonne, mais je les empoisonnerai, d'accord. Reputations can be slower to heal than flesh. The final question. How would you feel if all your burdens were lifted? Je trouverai de nouveaux fardeaux à porter au moins d'une décade. La vie n'est que souffrance. La vie n'est que... J'aime la souffrance. Amoindri, les fardeaux ont forgé ma personnalité. Datchad. You know the value of suffering. Good. Life is full of it.
whether you welcome it or not. It is done. Your heart form has revealed itself to me. You possess a melancholy heart. A smile is a stranger upon your lips. Je l'ai rarmu. Rarmu. Rarmu est Émilie de. Non, rarement eu aussi mal à la gorge. En fait. T'as pas du miel. Un petit stop tout. Bah, tout à l'heure, je me suis fait un. Eau chaude de miel, quoi, mais. We will talk further. Le truc c'est que bon, au bout d'un moment, tu peux pas non plus prendre 15 paracétamol par jour, quoi, donc, pas ibuprofène. Donc, bon. C'est sûr. C'est qui? Sigourney Weaver. I am Viconia de Vere. Ouais. Non, de Vere. Dis quelque chose de Vere. Ouais, c'est dans les autres BG. Dis-moi, t'arriverais à lui causer au nain là? À qui, à moi? N'importe qui, mais. Ouh. J'ai un coffre là. J'arrive en tant que nain. Hey copain! Hey, on peut aller plus loin. Ah, il m'a dit que je pouvais rentrer. C'est bon? Ouais, je t'ai vu! On est bon? Est-ce qu'il y a des secrets révélés? Oh, encore un truc de char, je ne sais quoi là. Oh, un mur. Attends. Oh! Ah oui, d'accord. En fait, pas comme s'il y avait une porte 10 mètres plus loin. Il y avait un mur. Interrogatoire. Attends, mais il y a un autre mur là. Il y a un autre mur là. Eh ben, minute. Attends, oh. je vais le casser pour encore toi. Encore un truc de char. Manuel intention des interrogateurs de char. Ah! Ok, encore. Mon arme. C'est couchage impossible sur le coffre. Bande de torture. J'ai plein de vêtements. Hop là. Écaille de Xorn. De quoi? Allez, casser le mur, moi aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans un repère d'une secte, on pète des murs en mode pas les couilles. Ouais, non, frère, on refait la déco. Là, tu vois, c'était pas feng shui, ça manquait d'aération, ça sentait le renfermer. Élégant à crocheter. Est-ce qu'il est et les moufles? Attends, c'est pareil, regarde, je crochette la porte. Oh, des outils de voleurs. Oh, ouais, y'a plein d'outils de voleurs. Mais je peux pas les ouvrir, y'a marqué que je peux pas les crocheter. Crocheter quoi? Le coffre cartilagineux et le coffre élégant, tu peux pas les crocheter. Bon, vas-y, ça m'a saoulé. On va faire le crochetage 2.0 là. Voilà. Si on les tape suffisamment, ils s'ouvrent. Voilà. Oh, fait d'argent. Donc, coffre élégant, j'ai pas pu le taper. Pourquoi toi ça fonctionne? Parce que c'est des dommages contondants que je fais. Ah, tiens, il y a les 30 pièces d'or, il y a tout le monde qui s'est jeté dessus comme des gros normales. De l'or. Des milliards de casques, vous les voulez pas? Hein, quoi? Ouais, je sais pas si. Vas-y, hein. Il y a un casque d'Arcanis. Oh, le casque angélique, plus belle bête, il a l'air d'être joli. Vas-y, on pique tout. Joe le pique tout. On pique tout. Joe le pique tout. Oh, encore un temple de char. Alors. Oh, il a un petit chapeau. Hey, C'est charmant. Ah non, oh non, ça se voit pas. Quoi? Attends, hey, regarde ma gueule, regarde ma gueule. Hey, je suis stylé comme ça. Non mais en fait je voulais mettre le casque. Bah si, tu l'as sur la gueule. Avec, tu vois, j'ai mis le casque angélique là. Ouais. Mais en fait je voulais l'afficher avec ça parce que c'est le truc angélique ça aussi. Eh ben. Et ça veut pas. Vas-y, mets le casque. Il parle de mère supérieure. Il est censé afficher là le casque. Là, il est affiché là, le casque? Bah ouais, mais comme je suis en habit de tous les deux de campement, parce que ma tenue. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que je voulais le mettre avec, mais du coup, je peux pas, donc bah, je te le rends. Ah, t'as vu? Moi, il est bien mon casque. Bah, t'en as pas, j'en vois. Ah, oula! Bah, si, bah, bon, après, y a un peu la barbe qui sort de partout, mais Alors, je veux pas dire, mais ça sent la fight, hein. Attends, on est en train de se. Oh, il est joli, celui-là. Il y a un petit côté 14e siècle. Ouais, ça sent. Oui, pas mal, oui. Oh, hey, regarde, il est joli celui-là. C'est sûrement de quoi tabasser là. Les statues de char ou un certain... Ouais, avec les plumettes là, ça va être la transpog, ce serait cool. Hein. Allez, on arrive. Vous
besoin d'être. Est-ce que nos deux DPS. On finit de leur faire leur petit concours de beauté. Dites-moi. Moi. Ça fait combien de temps là, qu'on est en épisode? 45 minutes. D'accord, très bien. Allons donc faire ce combat. Oh la 1, elle est bien. Attendez, parce que moi je suis turbo loin là. Oh putain, on n'a pas fait de chantress. Ils ont dit qu'il fallait pas avancer ou pas? Moi je sais pas, je me mets à côté de Katox. Hop là. Alors, ça se passe comment? The hells hunted by cultists and Githyanki alike. And of course, the artifact. Oh, but I think you do. The mapping unearthed much more than your heart form. I saw all your secrets. Wow. I felt Shadowheart's presence in your mind, and with it, the artifact. She succeeded in retrieving it, but then it is you who appeared, not her. Where is the artifact? Ah, la réponse. Ah, oh, il y est pas. Ne pas piper mot. Ne pas piper mot. Too late to keep your counsel, I'm afraid. You already revealed so much to me during the mapping. Humor me with a little negotiation. Perhaps we can find terms that will allow blades to remain sheathed. Moi je sais, un combat à mort. Ouais, soit ça peut devenir une alliée, soit on peut récupérer du stuff de Fifou pour Katox. Ok, on attaque. Dis-toi, tu vois ton shield de Katox à l'heure actuelle? Et bah tu peux avoir un truc mille fois mieux. Parfait. Ouais, t'inquiète, tu vas voir, quand on aura léché le sol, tu vas kiffer. Putain, je recède du nez. C'est l'émotion, ça. C'était pas très pratique. Putain, vous verriez ma tronche. Par contre, Arda, là, il est super loin. J'arrive. Ah, mais d'accord, tu es la nuit. Oh merde, j'arrive. Je suis mid-life, j'avais pas vu. J'arrive, j'arrive. De la photo tout à l'heure, là. Bah, c'est... Je suis la même. C'est la même. C'est la même. Putain. PQ dans chaque narine, là. On est bon. Je peux récupérer mon pare-chaud de 1. Eh, il y a un parchemin de catéchisme martial. Hop là. Le tout dans une hachette en argent. Incroyable. Bon, je suis arrivé, vous avez vu? Vous avez vu? Oui, il est dans le turn order. Et t'as réussi à balancer un truc? Ah non, je suis juste arrivé, j'étais méga loin et je me faisais repère si j'avançais trop. Ah bah c'est normal, y'a des gens derrière nous. Et devant, non, et sur le côté, et sur l'autre je côté. T'avais pris quoi comme pare-chaud? Ah t'avais, je t'avais pris une chaîne d'éclair, non? Oui. Mais je vais chaîne d'éclairiser bientôt, t'inquiète pas. Attends, est-ce qu'on aurait pas des trucs qui absorbent, qui font aggro, enfin qui repackent les gens? Je sais pas si j'ai des bombes de... Je crois pas que j'ai des bombes sur moi. Mais j'aurais pu essayer de repacker... Oh ouais, ceux-là, t'imagines si on arrive à packer ceux-là? Ah, je vais voir si dans ma besace j'ai une bombe à gravité là pour essayer de les paquer. T'as fait 138? Ah non, d'accord, 13 et 8. Bon, qu'on soit clair, les gens qui sont de mon côté, je les... Ah mais t'as pas utilisé ton arc pour te mettre hâte? Je viens d'en tuer deux, il en reste trois. Dont une qui a 6 PV. Voilà. Bah, c'est bon coup pour le tour prochain pour avoir une autre action. Ok d'accord, bon j'allais mettre des dégâts radiants, peut-être que je vais pas faire ça. Hein. Pourquoi? Parce que si tu fais des dégâts radiants, elle te répond en doublant les dégâts que tu lui as fait. Ah, oh, j'avais pas vu, c'est vrai que je suis en dommage radiant là.
Alors attends, est-ce que je regarde, si j'ai une petite bombinette pour essayer de paquer les oiseaux à droite là. Oh. Oh. Est-ce que t'as un truc d'AOE Attends. Je te fais un petit pack Arda. Ouais, fais-moi un petit pack. J'espère qu'ils vont y aller. Oh connard. Coquinou. Ah mais non, ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est parce qu'ils sont dans les tentacules noirs, la petite bombe en fait que j'ai balancée, ça les pack pas, ils sont bloqués sur place donc bah c'est un échec. Bon bah désolé, j'aurais pas pu te packer les mobs. Bon bah je m'occupe de Cocotte. Ouais. Si je lui mets un coup, je la tue là donc. Est-ce que j'ai moyen de me mettre en hauteur pour bien faire chier? Espace insuffisant. Ouais, vas-y, fonce. Envie de gagner. Envie de caca. Ah, bah dommage, hein. C'est ça que ça sort. Ténèbres attirantes, 2 à 16 points de dégâts par tour. Ouais, mais faut que je sois dans un endroit où je vois pas, donc je vais dire que c'est pas trop. C'est-à-dire que c'est sur vous qu'il aurait dû lancer Ténèbres attirantes, mais ah bah il le fait là, enculé bah. Vous avez compris, je vais sortir mon arc hein. Ah lui il a un bonus quand il attaque depuis d'invisible je crois. Quasiment tous là ils ont ce bonus. C'est quoi qu'il a mis là? Je sais pas. Je vais vous enlever les ténèbres autour de vous là. Alors, est-ce qu'il y en a un qui a plus de PV à côté de moi? Bon, il y a toi. Mais toi, j'aimerais bien te tuer avec ça, c'est un peu le problème. Bon, tant pis, je vais tuer comme ça. Oui, super. Bon, déjà, ici y'a plus de ténèbres. Va bien se passer, je pense. Bah oui. Pendant ce temps. Ouais, pardon, je suis en train de réfléchir à ce que je fais.
Ça se voit. On est d'accord que ça... Bah ouais, ça les... Ah mais si, mais c'est ça que je pourrais faire. Ah, le problème c'est que je les bute là. En quoi c'est un problème? Bah en fait je voudrais pouvoir taper lui. Mais je crois que je vais pas réussir. Pourquoi tu veux le taper lui spécifiquement? Non mais parce que eux ils... Ah bah, bon bah voilà, écoute. L'embuscade dans le noir, ils l'ont quasiment tous hein. Esprit gardien lui. Ah, il est pas mal. Ah eh oh bah tiens, livraison à domicile mec. Eh bah bonjour. Enchanté. Je m'appelle Teuse. Au secours. Allez, c'est tout pour moi. Ah je vous la maladie ça me donne. Putain, j'avais pas arrêté de saigner du nez. J'ai cru. Qu'est-ce qu'on devrait taper? Ouais, je vais défoncer le justicier. Hein. J'attends que t'aies fini avec le justicier et après, je vous mets un petit coup de heal avec mon. Dire, je lui mets un petit coup de heal, mais si tu... C'est bon là, tu peux y aller? Non? Alors attends, faut que je m'éloigne un tout petit peu. Aveuglé? Comment ça, aveuglé? Oh, ouais, après, ils vont quasiment tous le casser. Hein, je crois que tous les fidèles, ils balancent les ombres. Ouais, bon, moi, je l'aurais emmerdé une fois. Allez, vas-y, avance et glisse. Elle hésite. Et là, elle va essayer de sauter pour éviter de glisser. Ah, ou elle joue pas. Tu as été jugé. Merci. C'est quoi déjà? Unworthy. C'est ça, merci. Attends, bouge pas. Non, je peux pas faire ça. Est-ce qu'il est aveuglé lui? Je ne
sais pas où il est. C'est laquelle qui concentre là sur... Des avantages chemin interrompu. C'est parce qu'elle est dans le noir à tous les coups. La cible est hors de vue, mais il se fout de ma gueule. Ah, c'était pas elle. Non, c'est celle qui est à côté de moi. Celle qui est qui a casté Darkness ? Oui. Ah merde. C'est celle qui est à côté de mon élémentaire, mais je pensais la taper, mais dans le noir je peux pas. Est-ce que là je suis dans le heal ou pas ? Non. Vas-y, je me rapproche. Ah merde. Du soin. Du soin. Du soin, 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 soin. Du soin. Du soin, du soin. Arda, faut passer son tour. Mais non, Arda, il faut qu'il caste un spell. Faut caster son sort. Caster son, son, son sort. Ah, tu rebalances quoi là, Blight? Oh ouais, ah oui, ça c'est beau ça. Ils aiment bien Ténèbres, hein, j'ai l'impression. Ça leur plaît bien comme ça. Ah, c'était... Much too bad. Eh, j'avais pas d'ad... Ah, mais non, ouais, dans le. Parfait, reste bien en dehors des ténèbres, toi je vais te défoncer. Bon. Bah, ça suffit, là. Eh oh. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais aussi, là, ça. Il est mort pour cause de décès. T'inquiète pas, oh mon ami nain. Par le pouvoir de l'amitié. Je te touche les fesses. Ça a pas marché? Oui, je me vois toujours en train de... Bah, moi, d'admirer moi, le sol. Action. Comment ça? Attends, mais là, pourquoi je suis en turbo mort? Je sais pas, mais même la potion n'a pas voulu le sauver. Je peux pas me contrôler. Ah, attends, what? Ah, attendez, y a pas. Ah, oui, c'est ça. Je suis. Je me suis tapé. J'ai une condition. Pendant un tour, je peux pas être soigné parce qu'il m'a bonne shield. Bah, tant pis pour toi. Oh, bah, tu vas crever. Va falloir réussir sa sauvegarde, hein. Ouais, j'espère aussi, ouais. Ah, ils sont pas cons, hein. Ouais, jusque là... Ouais, ouais, on vient de faire foutre. Putain, je pensais pas aller à son... Parce que dans le turn order, ça fait vraiment notre équipe puis leur équipe, quoi. Ouais, vraiment ça. De merde là qui a foutu dans le pâté. Pour une fois que c'est le nain qui passe à la casse. Et non.
C'est vrai que... j'ai foncé sans même healer, sans... Je me suis pas du tout préparé pour le fight, j'étais vraiment mode touriste. Eh bleh, agagak. Gougou. Ouais, gougou, gagak. Ça l'a pas fait péter l'autre! J'ai envie de mourir. Katox, est-ce que t'as encore des coups à faire? Attends. Ah, finissez le fight et. C'est vrai que par contre, le soin de 10 PV par tour, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Sans deck. T'as ça et t'as pas un anneau en plus qui te permet de te sauver. Ah si, ouais, c'est ça. Non, c'est parce que je suis moine. Non, mais oui, avec ton truc, mais en plus t'as un anneau qui te permet de te régénérer de 1 à 4 PV par début de tour. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux récupérer au max 14 PV ou 11. Ouais, bah c'est 11 à 14, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. Pour tanker, ça c'est cool. Ouais. Oh, elle est pas morte, il lui reste quoi? Il lui reste 5 PV. 5 PV. C'est 12 encore. Bon bah petit pare-chaud de résurrection. Ah, ça arrive. Il est de retour. Salut. Bon, elle est où la bonne femme qu'on la fouille? Elle est ici. Oui, c'est vrai. Ça et ça. Ouh, alors. Forteresse qui marche. J'aime bien. Je suis à 24 de CA. Ah, yeah, c'est pour ça que ce shield là, je pense que c'est un petit peu ton petit plaisir coupable. Ah ouais là. Et surtout que t'as en plus, regarde, un des sorts, je crois que c'est Reflective Shell, où en gros... ouais c'est ça. Tous les projectiles qui sont envoyés sur ta gueule, et ben tu les renvoies à l'adversaire. Et ça c'est beau. Et limite tu peux te... Ouais, tu peux me faire aussi un lien. Tu peux faire un lien et tu gagnes toutes les résistances, enfin tu gagnes des résistances à tous les dégâts. Ah non, attends. Ah non, c'est les autres qui gagnent, résistent à tous les dégâts. Messieurs, ça fait une heure qu'on y est, est-ce qu'on s'arrête là et qu'on continue à explorer ces tréfonds? Bah la semaine prochaine. De qui parle-t-on? On pourra faire un long repos. Aussi. Ah ben le sac à loot il est trop lourd. Ah non c'est bon. Ah t'inquiète, j'envoie régulièrement au camp parce que j'ai bien... Là j'ai pas envie de claquer un élixir sachant qu'on va aller se reposer après donc... Comment te dire que là je suis à l'heure actuelle à 8 de force donc... Ah oui c'est pas beaucoup. Ouais. Ah bah attends, si y'a que ça, je peux mettre la masse paf. Et masse paf. Moi je vous avoue que ça m'arrange si on s'arrête là, je vais dormir. On a tout vidé, donc tout est bon. On s'arrête là, et on vous dit à très bientôt pour la suite. Yeah. Allez, des bisous, tchou tchou. Voilà, je suis plus malade. Voilà. Voilà.